Chinois abusent, je vous dis, ils abusent. Quand on dit véhicule électrique, quand on dit voiture, et les gars sont en train de se bagarrer pour savoir où est-ce qu'il faut mettre les phares, où est-ce qu'il faut regarder moi ça. Les gars ils mettent, viens voir, les gars ils te mettent des LED ici qui vont clignoter, je ne sais pas si c'est le nom de ton joyeux anniversaire qu'ils vont mettre ici. Venez voir l'intérieur de cette foutue voiture là. C'est la marque Avatar. Et là où les gars ils abusent encore, regardez au niveau de là où il y a l'essence là. Il n'y a pas d'essence ici, mais il y a encore un écran. Donc ici là on dirait que on partage les écrans en fait. Donc regardez, il y a encore un écran ici, il y a des caméras ici partout. Mais regardez vous-même, vous allez me dire si Tesla a encore sa place ici en Chine. Vous me regardez, venez voir dans la voiture, regardez. Non, fermez même là, tu as pris un bouton, tu as pu se fermer maintenant, la voiture se ferme. Pour rentrer, ils vont voir l'intérieur. Et le siège s'ajuste automatiquement. Le siège s'ajuste. Il n'y a plus de. Tu tires le siège en bas, des trucs comme ça, il y en a plus. Ça s'ajuste automatiquement. Mais regardez-vous l'écran. Regardez l'intérieur, vous-même, vous voyez. Regardez. Le siège. Et quand je vous dis que les gars abusent, c'est qu'ils abusent vraiment. Les écrans là, c'est abusé. Regardez. Regardez, il y a écran ici, il y a écran ici, et ici là, le passager peut regarder le film tranquillement. Et si tu veux sortir, tu appuies juste le bouton et tu es sorti. La voiture s'ouvre automatiquement. Mais ça, c'est l'intérieur d'une voiture qui va vous guérir les maladies. Regardez-moi ça. Tu es assis. Non, les gars, franchement, le toit ouvrant panoramique, vitré, tout, les amis. C'est la marque Avatar, regardez-moi ça. Vous appuyez et il va s'ouvrir, vous allez voir. Je crois que ici c'est un appui long. Non, les gars, je suis bloqué dans la voiture. Et dès que la voiture s'ouvre, les sièges sont en train de s'ajuster automatiquement. Regardez-moi. Même. Non, là, les gars, ils ont abusé. Regardez. Même ici, là, c'est une caméra. Même le feu arrière, c'est une caméra. C'est-à-dire, le rétro arrière, c'est une caméra aussi. Regardez-moi ça. Oh, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais regardez-moi ce rétro là. Une caméra. Vous voyez, je pense que ce modèle là, ça prend du carburant aussi. Donc ici là, on charge le véhicule. On charge ici. Vous voyez, si on charge, c'est chargé. Et regardez-moi l'intérieur aussi. Ça. Look, vous-même vous voyez. Voilà, donc ici je parlais du rétro. Regardez-moi ce rétro là. Les gars, Tesla, il ne peut plus compétir en Chine. Regardez par vous-même, Tesla ne peut plus compétir. Regardez-moi ça. Ce genre de voiture là. Vous me voyez ça? Vous voyez les finitions? Regardez-moi les finitions. Et là, je crois qu'il y a une sorte de coffre. Il y a une sorte de coffre là. Donc, en fait, la voiture, comme ils ne m'ont pas payé pour faire la pub pour eux, je ne suis pas. Voilà, donc ici j'appuie, ça se ferme. Regardez-moi ça. Donc, voilà la voiture, les amis. Et c'est pas fini, il y a encore d'autres voitures. Ici là, je pense que. Voilà, c'est appuyé. Je crois qu'il faut l'appuyer deux fois celui-là. Il faut l'appuyer deux fois, mais vous-même, regardez les finitions. Regardez-moi les finitions là. Regardez-moi ça. Et c'est la marque Avatar. Vous-même regardez les finitions. Il n'y a rien à dire. Les gars, ils abusent vraiment. Même dans la jante, il y a des écrans, les amis. Tu sais que le rétroviseur, c'est une caméra. Mais c'est abusé. Regarde ici là. Je pense que c'est ici, mais regarde-moi ça. Il y a des. Ici, c'est le radar. C'est les radars de détection. Et là, c'est les caméras aussi. Donc vous voyez un peu les amis, voici le genre de voiture, les genres de voitures qui sont totalement démentielles. Regardez celle-là, ça c'est Avatar 12. Et les gars ils ont compris maintenant, ils mettent plus les noms qui sont trop longs là, ils mettent plus.
Avatar 12. Avatar 11. Et vous voyez l'Avatar 12. On dirait une Porsche. On dirait une Porsche. Vous voyez la voiture. Vous voyez la voiture. Donc ici, comme je vous disais, les gars, ils abusent. Ils mettent des radars partout, des caméras partout. Mais moi, je me dis, est-ce que cette voiture-là, on peut la laver même? Est-ce qu'on peut mettre de l'eau dessus? Parce que c'est moi ma question, quoi. Est-ce qu'on peut mettre de l'eau dessus, sur cette voiture-là? Regardez-moi ça. Donc, comme il y a des gens dedans, on ne va pas filmer beaucoup trop. Joe, vous-même, vous voyez. Look at this. Si vous ne venez pas en Chine, les amis, je profite rapidement pour vous dire que les places sont en train de finir pour le China Business, qu'on n'a plus assez de places. Donc, ceux qui veulent s'inscrire, c'est le moment. Vous devez vous inscrire là tout de suite parce que regardez les gens, les choses que vous voyez ici. Il n'y a qu'en Chine que vous allez voir des trucs comme ça. De la démence, d'accord? De l'extravagance de haut niveau. Donc, une dernière voiture que je vais vous présenter. Vous-même, vous voyez l'intérieur de la voiture. Vous voyez l'intérieur. Là c'est un jeune couple. Ils sont en train de se projeter. Regardez, celle-là. Celle-là qui est... Ils sont en train de faire le taf. Désolé, il y a un peu de bruit, c'est normal parce que je suis un peu... Celle-là, regardez. Vous voyez, le coffre démentiel. Les portières, comment elles s'ouvrent. Et vous-même, regardez-moi les écrans à l'intérieur. Je ne vais pas rentrer, regardez. Les gars, ils abusent. Je pense que le rétro même, c'est une caméra. Hein. Non, c'est pas une caméra. Donc, look at this. Regardez-vous. Et ça, c'est l'Avatar... Ça, c'est l'Avatar 7. Donc, regardez-moi cette voiture-là. Look, vous me voyez là. Je vais m'éloigner un peu, vous allez voir. Vous voyez? C'est une voiture dans laquelle vous pouvez faire... Vous pouvez faire des enfants, les amis. Je suis désolé. Donc, voilà le genre de choses que je pense que ça va réellement atomiser, je vous dis, Tesla. Regardez, vous-même, regardez-moi ça. Le niveau de finition. Maintenant, la seule question que vous serez en train de vous poser, est-ce que ça vaut la peine d'en acheter? Venez voir quand même, d'accord? Regardez-moi les voitures, là. Vous voyez l'intérieur. Même plus besoin de rentrer dedans. Le volant un peu coupé, sport, voilà. Et j'aime le minimalisme dans cette voiture-là. Il n'y a pas grand-chose. Vous voyez, il y a un écran totalement dimensionnel qui part du côté non-chauffeur, côté chauffeur. Donc, les amis, voilà un peu. Là, nous sommes en Chine. Et c'est le genre de choses que vous allez voir tout le temps, tout le temps. Si vous venez avec nous en Chine, on va vous présenter des fournisseurs qui vendent ce genre de véhicules, des gens qui veulent des représentations, des gens qui veulent aller. Regardez dans la description, il y aura un lien pour pouvoir s'inscrire au voyage sur la Chine, le seul voyage qui fabrique les futurs riches africains de demain. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, c'était Augustin.